Good morning, allez, Yiden, et Susra aujourd'hui, le Nishmas, mon sauveur, Ben Khana, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fitna, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, pour les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechim Bachot, Perek Bet, Mishnah Hey, Khatan Patur, Mikriat Shema, Balaila Harishon, Admotsae Shabbat, Imlo Asa, Maase. Maase, Beraban, Gamliel Shetara, Balaila Harishon, Shinasa. Abroulot Amida, Glolima de Tanur, Abeinu. שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. Une halakha en rapport avec la Mishnah précédente sur la concentration requise pour le Shema, la Mishnah mentionne cette fois-ci, חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, עד מוצאי שבת, un חתן, un jeune marié qui se marie avec une betula, avec une vierge. Il est dispensé du קריאת שמע la nuit, la première nuit de son mariage, ad motzae Shabbat, jusqu'à la fin du Shabbat, parce qu'en général, il se marie le Yom Revi, ouais, c'est le mariage de Tuvot, et donc jusqu'à motzae Shabbat, la quatrième nuit, imlo asa maase, s'il n'a toujours pas eu de rapport avec elle, qui a réussi. De quoi ça parle précisément? D'abord, je vous introduis la notion générale. Velo bedarkei a shamaim. Là, on apprend ça, on apprend une halakha très importante. Asuk Bamizwa, d'abord une halakha. Asuk Bamizwa, pas tourner la mitzvah, vous savez ça? Lorsque je suis en ce moment occupé en train d'accomplir une mitzvah, je suis pas tour d'une autre mitzvah. Si, c'est fréquent, je ne connais pas les détails, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas concrètement, mais imaginez la scène. Shalom et Da, ou bien, quelqu'un qui est à l'hôpital en train d'assister à un malade. Il est là à ses petits soins. L'autre, quand il a mal, il le mène un. Il est là à ses petits soins. Il est en ce moment d'être asouk bebikur cholim. Ouais, bikur cholim, c'est pas juste être, rendre visite à un malade. C'est plutôt se soucier qu'il ait tout ce qu'il faut aussi. C'est partir là-bas et se soucier que tout fonctionne. Misa, il est là-bas en train de. En théorie, il n'est pas tour de tefila en ce moment. T'es asouk ba mitzvah, pas tourner la mitzvah. On a une règle que si tu peux faire les deux mitzvot, fais. Mais si tu ne peux pas les faire, ne les fais pas. Après, ça c'est complexe, quand oui, quand non. Mais imaginez par exemple que. On est dans une ville où il n'y a pas de tefillin. Et puis moi, qui suis un grand sofer, j'arrive dans cette ville et je me mets à écrire des tefillin pour tout le monde. Et je commence à écrire des tefillin pour tout le monde. Dans ce cas-là, moi je suis pas tour de toutes les mitzvot. Il n'y a plus de tefila, il n'y a plus de kriyat shema. Je suis en ce moment occupé d'écrire des tefillin pour tout le monde pour que demain ou après-demain, selon l'ordre, selon le nombre de personnes qu'il y a, je dois faire le plus vite possible. Je ne peux pas perdre de temps. Si je perds du temps, ça va être sur le compte de tefillin. Il y aura des gens qui vont demander des tefillin. Et ça c'est étonnant parce que j'ai le droit d'aller manger, j'ai le droit d'aller aux toilettes, mais quand c'est bon de faire une mitzvah, non, moi je suis occupé en train de faire une mitzvah. Mais peut-être que je sais pas. J'ai essayé une fois d'expliquer, de comprendre un petit peu mieux comment ça marche pour cette question. C'est-à-dire, j'assiste à un malade, je vais fumer dehors ma cigarette, j'ai le droit. La tuile là, ah non, moi je suis occupé, je m'occupe du malade. Et pourquoi fumer, tu es capable de sortir? C'est assez complexe. Quand oui, quand non. Et voilà, peut-être qu'en réalité, j'ai même pas le droit de fumer, peut-être c'est ça la réponse. Ou ça dépend. Si c'est se détendre un petit peu pour pouvoir revenir, alors de nouveau c'est permis. Mais m'imposer maintenant une nouvelle mitzvah qui va me prendre du temps, de la marche à 20, comment je prévois, là je suis à soukba mitzvah, peut-être une mitzvah. Se marier, c'est une belle mitzvah. Se marier avec une betula, ça nécessite aussi de vérifier que réellement elle avait une betula, une vierge. Ça veut dire, à l'époque, surtout quand c'était à l'époque, on se mariait avec des vierges qui avaient 12 et 13 ans. Alors vous imaginez que les Betulim, c'était une souffrance pour la fille. Ça demandait de trouver concrètement une belle quantité de sang sur le drap aussi. Et si, une fois qu'elle avait été avec elle, il ne trouvait pas de sang, c'est qu'elle avait eu un petit problème auparavant. Il annulait le mariage, ça demandait éclaircissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être entre les fiançailles et le mariage, elle a connu quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est assoura, peut-être qu'elle est rêvée de mita. C'est tout, il y a tout un sujet sur ça, on parle longuement de ça dans le c'est le parasha du dans la Torah. Et le parasha du Moti Shemra, de là-bas on apprend ce principe-là. Donc, maintenant, se marier en sachant avec une vierge, c'est pas juste faire le beau dans un mariage et danser très joyeusement. J'ai quelque chose qui me préoccupe dans ma tête, c'est cette mitzvah, d'avoir un rapport avec elle et de voir que tout s'est bien passé. Je suis en ce moment, mes marches à vote, elles sont en ce moment focalisées sur mon mariage. Je ne suis pas imposé maintenant de prendre toutes mes pensées, de me les concentrer ailleurs pour aller me faire un kriyat shema.
Khatan patour mikriat shema balayla arishon. Le khatan est patour de kriat shema la première nuit. Et même mieux que ça, al motzei shabbat, jusqu'à la fin du shabbat, donc ça fait 4 nuits. Puisque c'est marié mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. S'il n'a toujours pas eu de rapport avec elle, ça veut dire quoi? Qu'elle a essayé mais qu'elle souffrait trop, et qu'elle a dû se retirer, et qu'elle n'a pas... D'accord, qu'elle a... Vous imaginez comment ça veut dire de se marier de 18, un homme, un bachour de 18-19 ans, se marier avec une jeune fille de 11 ans, 12 ans. Ouais, c'est pas toujours pratique, pas toujours facile. Ça prend du temps jusqu'à que le train monte sur les rails et roule normalement. Donc du coup, tant qu'il a pas eu d'action, on le dispense parce que maintenant, il est préoccupé par sa mitzvah. Le soir arrive, c'est le moment de se retrouver. Est-ce qu'il va réussir, il va pas réussir? Il a quelque chose qui le préoccupe. Tu n'as pas besoin, tu es dispensé de faire la mitzvah. On apprendra que la halakha n'est pas établie comme ça concrètement pour une autre raison, comme ce qu'on verra plus tard. Pour le moment, on a Maase Berabban Gamliel. On a une histoire avec Rabban Gamliel que malgré tout, Shekara Balayla Rishon Jinasa, lui, il a quand même lu le premier soir où il s'est marié. Le soir de son mariage, en plein milieu, là-bas, on était en train de danser dans la popa, il a demandé à ce qu'on arrête, c'est l'heure de faire la tfila, il a voulu faire la tfila. Amroulo Talmedav, ils lui ont dit, ses élèves, ses disciples, l'olimad Tanu Rabbeinu, mon maître, tu nous avais enseigné, chez Khatan Putur Mikirat Shema, que le Khatan, le jeune marié, il est dispensé du Kirat Shema. Balayla Arishon, le premier soir du mariage, pourquoi toi tu danses? Pourquoi toi tu t'arrêtes pour faire le Kirat Shema? Amar Lahem, il aura rétorqué Rabban Gamliel. Eni Shome Alachem Levatel Mimeni Malchut Shama Imafilu Shachat. Je ne vous permets pas. Je ne veux pas vous entendre, je ne vous permets pas, Levatel Mimeni Malchut Shamaim, d'annuler de moi le joug de la, du divin, de recevoir sur moi, moi qui suis un grand Talmid Chacham, j'ai besoin de recevoir le joug, Afilo Shachat même un instant. Moi je dois être constamment, moi personnellement, pour mon bien-être, si jamais tu me dis que je ne vais pas lire le schéma, je vais être encore plus soucieux que je ne lis pas le schéma. Moi je suis à un niveau pour moi où c'est tellement important de recevoir le Malchut Shamaim, j'ai besoin de raviver tout de suite, dès que la nuit, de recevoir de nouveau le Hol Malchut Shamaim, de réunifier Hachem, et de le reconnaître, de concentrer tout, au contraire, de me rapprocher encore plus d'Hachem. Là, j'ai le droit d'accomplir le Kriyat Shema. D'accord? On verra en rapport avec ça, la Mishnah Chet, ce sera la conclusion de cette Mishnah. Pour le moment, on va avoir deux prochaines Mishayot, qui sont avec des conduites originales qu'a eu Rabban Gamliel, différentes de tout le monde, comme ce qu'on verra avec Hachem. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslacha, Koltou, c'est là.